Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tag. Donc, c'est le tag en fait que j'ai créé. Donc voilà, j'ai ma petite fiche. Voilà. Donc, c'est un tag que j'ai créé. Donc, c'est en concours. Donc, en fait, c'est tout ce qui est rapport en concours. Donc, il y a 10 questions. Donc, voilà, 10 questions. Et bah, si vous voulez le refaire, dites-le-moi en commentaire. Et si vous le faites, et bah, marquez bien que c'est de moi. Donc, voilà. Bah, c'est parti. Donc, par la number one. Donc, en concours, tu préfères généralement. Tu fais, pardon, tu fais généralement quelle épreuve? Donc, avant, je faisais généralement des poneys 2, poneys 3 et poneys 2. Mais en fait. Là, comme la ponette, donc Clara, que je montais tout le temps, et bah, elle devient un peu trop petite pour moi. Je monte bah, Vénus. Mais je vous ferai une visite de mon entrée enfin, bientôt. Donc voilà. Ma prof, elle m'a dit que j'allais faire une ou deux club 3 et après j'allais vite passer en club 2. Donc voilà. Bah voilà. Deux, tu préfères externe ou enfin un concours extérieur ou intérieur? Donc l'année dernière on n'a pas fait de concours extérieur. Mais dans 2 semaines j'en fais un, donc le 25 octobre. Donc j'en fais un Saint-Romain de Gélionas. Donc voilà. Donc j'en fais un Saint-Romain de Gélionas. Mais j'aime bien les extérieurs. Comme ça fait découvrir des nouveaux clubs et tout. Trois, quel est le premier concours que tu aies fait? Donc, où, avec quel poney et quelle épreuve? Donc, j'étais en galop 3, donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Je crois que c'était en... Attends, là, on est en 2015. Mais c'était vers mai, je pense... 7-8 ans, 7-8 ans que j'ai fait mon premier concours. C'était à Miribel-Jonage. Et. J'avais idée fixe et c'était en club 4. Ouais, en club 4. C'était mon tout premier concours. 4, tu montes en club ou en poney? Donc c'est la catégorie, donc poney c'est qu'avec les poneys. Et les clubs bah, c'est confondu, soit cheval ou soit tu prends un poney, mais c'est des foulées exprès pour les chevaux. Avant je faisais que du poney, mais maintenant je vais. Donc bah des clubs, mais ouais, bah des clubs. 5. Tu prends quel ensemble en concours? Donc, je prends le bleu. Désolée si je prends la brosse, mais c'est juste que ça me déstresse. 6. Quelle date est ton prochain concours? Donc, j'en ai deux. Donc, j'en ai un le 18, donc à la Combe du Lion. Donc, voilà. Donc, à mon centre équestre. Comment dire? J'en ai un. Enfin, cette semaine, là, le 18 octobre. Donc, j'en ai un à la Combe du Lion. Le 25 octobre 2015. Donc, c'est tout en 2015. Hein, voilà, normal. Je fais à. Au Poney Club du Passieu, je crois que ça s'appelle comme ça, ou à Saint-Romain de Gélionas, voilà, cherchez centre équestre de Saint-Romain de Gélionas, vous trouverez certainement. Voilà. 7. Tu graisses les pieds la veille et le jour du concours, ou que le jour du concours? Donc, je fais la veille et le jour du concours, comme ça au moins. J'ai pas à passer 10 000 couches de graisse et tout pour que ça soit bien brillant et tout. Voilà. 8. Tu fais des pions aux chevaux ou pas? Alors, non, j'aime pas les pions. Vous allez dire ouais, mais c'est mieux et tout. Ça fait plus concours et tout.
Je sais, mais j'aime pas ça. Ça met pas du tout en valeur l'encolure du cheval. Je préfère quand la crinière vole au vent. Donc voilà. 9. Quelle est l'épreuve que tu fais à ton prochain concours et avec qui? Donc, je fais Club 3 avec Vénus et à Saint-Romain. Je fais Club 3 aussi avec Vénus. Et en fait, ma prof m'a dit il faut un cavalier à bon niveau, enfin forte. Désolée pour le portable qui vient de sonner. Une cavalière assez forte. Donc en fait, elle m'a dit qu'il faudrait un cavalier fort. Enfin, je suis pas non plus. Voilà. Assez forte pour en fait, parce que ça fait depuis 2 ans qu'elle n'est pas sortie à l'extérieur. C'est une jument hyper peureuse. Même quand elle, même à la maison, donc à un concours où c'est son centre équestre, elle a peur. Elle n'arrive pas à sauter. Donc je pense soit une prépa 50, soit une club 4. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Et 10, qui tagues-tu? Donc tout le monde qui veut le faire, je les tague. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà mon petit loulou. Voilà. Donc à Equita, je vais le dimanche toute la journée. Donc voilà, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir, mais bon. Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Et je vous retrouve pour mon vlog. Aïe aïe aïe, pour le concours. Donc voilà, je vous retrouve pour la prochaine. Bisous!